À ton avis, est-ce que le cœur, ça se mange cru? Eh bien, il semblerait que oui, alors tentons l'expérience en vidéo. Je vous ai fait choisir dans l'onglet communauté de la chaîne une vidéo spéciale Halloween. Et à ma grande surprise, vous avez voté en grande majorité pour une recette geek à base d'abats. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais réaliser et déguster un tartare de cœur façon Hannibal Lecter. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 200 g de cœur. Qu'il soit de porc, de bœuf ou d'humain, ce n'est pas un problème. 60 g d'oignon blanc, 50 g de câpre, 50 g de cornichon, une demi-botte de ciboulette, 4 gouttes de tabasco, 2 cuillères à café d'huile d'olive, du sel, du poivre 5B et un rouleau de pâte philo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la recette. Et passons maintenant à la dégustation de cette étrange recette. Eh bien, c'est vachement surprenant, parce que on pourrait se dire que ça va être fort ou ça va être différent, mais le cœur en tartare, ça passe hyper bien. Bon. On n'est pas dans un épisode de À Votre Table, mais le tartare de cœur, quel goût ça! Principalement, on sent la câpre, le cornichon et l'oignon qui sont très présents, et il y a ce goût de viande crue qui vient lier tout ça, et c'est vraiment pas mal. Bien relevé avec du tabasco et du poivre, c'est vraiment super sympa. Franchement, c'est délicieux, c'est super bon. Le cœur, on pourrait dire qu'il a une texture un peu plus ferme que celle de la viande hachée, mais vraiment, c'est super bon, donc je recommande cette recette. Et puis, si ça vous inquiète un petit peu de manger le cœur cru, mettez du jus de citron dedans pour cuire la viande par acidité, franchement, ça sera un délice. Moi, j'adore manger les tartares de cette manière, et c'est vraiment super. Pour réaliser le tartare, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser n'importe quel type de cœur. La recette se trouve bien évidemment
en description pour les plus aventureux d'entre vous. Et si vous voulez tester la recette, n'hésitez pas à modifier les assaisonnements. Vous pouvez y ajouter du ketchup, de la moutarde, du jaune d'œuf, de la sauce soja et du jus de citron. Bref, faites ce que vous voulez, car un tartare, ça ne se mange pas que d'une seule manière. Un tartare, ça se mange comme on l'aime. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos recettes de cœur sur Instagram, j'y suis redevenu actif. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Joyeux Halloween, la grosse bise, ciao!